Un éclat de conneries, je vous disais à la station. Exactement. Ah, j'ai pas le fait. Donc, exactement. T'as dit quoi? Que l'humour est affreux quand on est dans le désespoir. Il ne fait qu'aggraver notre peine. Alors on a envie de faire connaître la souffrance à celui qui sourit. Pour qu'il comprenne l'intensité de notre haine. Pour qu'il ait conscience du privilège qu'il a de rire. Parce qu'on est jaloux. Jaloux de son bonheur. Et que... Enfin voilà quoi. Allez, ça va, pleure pas, Pichard. Je sais pas si je vais tenir le coup. En plus, j'ai pas rangé ma chambre. Mais c'est pas grave, on engagera une femme de ménage, on se débrouillera. D'accord. Est-ce que Dieu est mort? Ou bien est-ce Chou qui était mort? La réunion des choux s'était très mal passée. Aucun chou ne savait comment détruire le Sutrufte. Vous pouvez parler aussi, hein. Si vous êtes venu, je vous rappelle que justement vous avez l'ambition de. Faites genre, vous avez pas entendu. Il a pas entendu, il faut parler plus fort. Sous les roues d'une boîte. Oui, mais juste, répétez pas deux fois, j'ai des oreilles. Il est où, Chou? À la réunion des choux. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre fait une idée? Non. Bon, merci, j'ai pas cherché tout seul. Mange-la. Tais-toi. Il cherche sûrement un moyen de détruire le Sutrufte. Tu t'entends pas d'ici, Hugo? Donc écris ce que je te dis. Aucun chou n'a pour l'instant réussi à trouver le moyen de détruire le Sutrufte, ce qui signifie qu'une seule chose, que je suis le seul, à pouvoir le détruire. T'as compris? Je suis le seul à pouvoir détruire le Sutrufte. Aucun autre chou le peut. Pourquoi? Parce que je suis l'élu des choux, et c'est aussi simple que ça. Et que seul l'élu des choux peut détruire le Sutrufte. Oh, tu m'écoutes quand je te parle? Allô? 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 Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, je t'entends. Tu m'entends, là? Écoute, ça va, mais je t'appelle parce que j'ai plus aucun forfait. Ouais, mais il est où, Chou? Bah, t'as regardé à droite. Désolé, mec, j'ai raccroché. Je poursuis un moustique qui se prénomme Luther. Ouais, alors cette réunion, comment elle s'est passée? C'est grave. Même la réunion des choux n'a pas résolu le problème. Choupi, si je t'appelle, c'est parce que je sais que toi, tu seras attentif à mes dires. Je sais que tu comprends ma souffrance et que tu m'écouteras sérieusement, quoi qu'il arrive. Allô? Dis-moi, Choupi, tu sais ce que ça fait, pas vrai, d'avoir tant mal au cœur et de ne pas pouvoir sortir de ce cauchemar qu'est la vie. Tu comprends ce que je ressens? Ce n'est pas comme l'autre con en vélo qui se fait passer pour je ne sais quel bouffon. Regarde-le-moi, Choupi. Il est ridicule. Tous ces choux sont tellement ridicules. Ils me font pitié. J'ai honte de leur naïveté et de leur ignorance sur notre monde. Je les haïs tous. Oui, je me haïs aussi. Il est temps de changer. Parce que je haïs cet humour. Cet humour de merde, bidon, qui rend ce peuple con. Ce peuple débile.
Il est temps de faire la guerre, Choupi. Oh non! C'est la guerre! Mais c'est qui? Choupi! Mais c'est la guerre des choux! À partir d'aujourd'hui, nous allons rentrer en guerre. Depuis tout le temps, c'est pas vrai. La guerre a laissé de nombreuses victimes et de morts. Enfin, c'est pareil, ta gueule. Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que la guerre fait souffrir. Et si nous ne pouvons pas souffrir, il va falloir combattre cette souffrance. Je suis prêt. Ouais, le Archou. Ouais, dis-moi, comment elle s'est passée, t'as réuni... Bonjour. You've always been there for me, man, so now, I think it's time I start helping you and Shu with getting the soul truth and destroying it. Do you know why? Because I'm Tico, man. I'm Tico. I kill ya. Give me la nouvelle attaque. Archou. Alors, Chou. Ouais, ça fait 5 fois qu'on essaie de tourner la scène, tu peux t'impliquer, s'il te plaît. Aide-moi! S'il te plaît, aide-moi! Je peux plus vivre comme ça!